L'actualité sportive avec les mondiaux de natation à Barcelone et le sourire des Français. Les Bleus, déjà champions olympiques, ont cette fois décroché le titre de champion du monde du relais 4x100 mètres. En revanche, aucune médaille pour la championne olympique Camille Muffat, seulement 7e du 400 mètres nage libre. Gaëlle Biche avec Camille Gelpi. Ils sont allés chercher l'or au terme d'une remontée fantastique. Car après 100 mètres, le relais français amorcé par Yannick Agnel n'est que 7e. Manodou et Gilot vont grappiller quelques places avant que Jérémy Stravius n'entre en scène. Sur les 100 derniers mètres, l'Amiénois grille la politesse aux Australiens, aux Russes puis aux Américains. Un final exceptionnel qui permet au relais français de décrocher l'or presque un an jour pour jour après les Jeux Olympiques. Quand je touche, en fait, je regarde les copains, les trois. Il y a un silence parce qu'on est arrivés quasiment tous dans la même seconde. Et là, je vois les trois potes exulter, enfin crier, et je me dis non, c'est pas vrai, on va pas gagner. Et c'est vrai que je me retourne, je vois premier, et je fais oh, c'est encore un rêve en fait. C'était pas forcément gagné d'avance, mais en tout cas, quand on l'a fait à la fin, c'est beau quoi. Et cet exploit est venu masquer une énorme désillusion, celle de Camille Muffat sur 400 mètres. La Niçoise, championne olympique, termine 7e, à près de 8 secondes de l'américaine Cathy Lidicky, nouvelle championne du monde, à seulement 16 ans.